Bon matin! Ma caméra va tomber! Il est rendu, oh mon dieu, le soleil! Il est rendu 8h45, je travaille à 9h, je viens juste de partir de chez moi, je risque vraiment d'arriver très juste ou peut-être un petit peu en retard. Là, comme vous avez pu voir hier, il n'y a pas eu de vidéo qui a été mise en ligne, c'est de commencer mon samedi et dimanche ensemble. Et comme vous voyez, je commence à vlogger ce dimanche parce que hier, mais premièrement, je travaillais. Mais finalement, j'ai comme pas tant travaillé parce que je suivais vraiment pas. Comme vous savez, j'ai eu un débalancement hormonal, puis ça l'a fait que j'ai eu comme de l'acné et tout. Puis mon médecin a décidé de me changer de pilule contraceptive. Mais quand on change de pilule contraceptive, il y a plusieurs effets secondaires qui peuvent apparaître, dont justement la nausée et autres petits problèmes. Et là, depuis mercredi, j'ai vraiment une grosse nausée. Hier, c'était la pire journée jusqu'à date. Ça a vraiment duré toute la journée, comme jusqu'à tard le soir. J'ai presque pas mangé. Honnêtement, je vais pas vlogger dans une situation comme ça. Je pense que c'est pas super le fun pour vous. Vraiment pas bon. J'ai vlogué hier matin, ce qui était dimanche. Comme je vous avais dit, j'allais vraiment occupée, je travaillais, j'avais un party de Noël au travail ensuite. Ma face paraît tellement blanche, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça, ensuite quand je suis arrivée ici après le travail, finalement j'étais super en retard. Fait que mon ami et moi on s'est préparé en dedans de comme 40 minutes je pense. Puis on a vraiment fait chaud, on est parti, j'ai vu ma caméra, puis c'était vraiment pas apte à fumer honnêtement avec mes boss et mes collègues de travail. Je pense que c'était pas tant une bonne idée. Et puis comme je vous l'avais mentionné je pense dans mon précédent clip, les samedis dimanche je vais toujours les commencer en une vidéo qui va être en ligne chaque lundi comme dans le cas d'aujourd'hui. Fait que après avoir publié mon dernier vlogmas, en réalité le jour 1 du vlogmas, je vais présenter rapidement sur mon lit des vêtements de la boutique Liv & Charlie. Puis plusieurs d'entre vous ont fait, m'ont dit en réalité en commentaire que ça avait l'air super beau. Fait que je me suis dit que pour vous donner un scoop et non pas vous faire attendre sur Instagram devant mes outfits, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a Instagram non plus, je vais vous les montrer sûrement aujourd'hui. Fait que ça va être comme un mini try on haul si on veut. Je pense que ça va vraiment être le fun. Et puis avant de commencer, je vais faire un beau panoramique. Mais aujourd'hui, il neige! C'est un échantillon que j'ai acheté. C'est un genre de crop top qui est assez crop top. Là. Si je lève mes bras, là, faut que je sois prudente quand même. Il est vraiment assez casual. Là. Avec les petites lignes rouges et bleues, je le trouvais super beau. Il est tellement confortable. Il est tellement, pour vrai, il est super doux et tout. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des items dans la barre d'informations si vous voulez aller vous les procurer. Sinon, les Ben Charlie, ils ont une boutique sur la rue Saint-Laurent à Montréal, où est-ce que j'ai été. Sinon, il y en a une autre au quartier 10-30 à Brossard. Prochain morceau, c'est un long cardigan que je me suis pris. C'est vraiment drôle de finir un vlog genre de try on haul debout. D'habitude, je suis assise quand je vous montre mes vêtements, mais bon. Les manches sont trois quarts, mais il fait vraiment plus chic. Là. Le tissu, c'est comme en espèce de feutre, si on veut. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que la coupure, elle va vraiment en rond comme ça. Je le porterai jamais avec un top comme ça parce que c'est pas vraiment le même genre de style de vêtements. Mais il est vraiment super beau, puis il arrive environ mi-cuisse. Non, vous me connaissez, moi et mes basics, j'aime vraiment ça, juste des t-shirts qui sont confortables et tout. Puis je trouvais lui super original parce que j'ai jamais eu de t-shirt avec des lignes à la verticale et non pas à l'horizontale. Ça me fait un peu penser au tissu de chez Brandy Melville. Sont confortables, sont doux, sont stretch. Les manches sont vraiment cool, puis moi j'ai du genre sûrement à les tourner probablement deux tours, quoi que ce soit. Là, je trouve que ça fait plus ajusté. Vous avez sûrement vu aussi dans mon vlog, mon clip de ce matin, mais je me suis acheté une tuque. Comme ça. Mais les tuques comme ça, je trouvais jamais que ça m'allait bien. Mais celle-là, honnêtement, là, je suis quand même surprise. Je trouve que elle est quand même pas pire sur moi. Là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, elle est super chaude et super confortable. Moi, j'ai pris en crise parce que je suis assez basic. Mais sinon, je sais qu'il avait aussi en espèce de rose pâle et en beige aussi. Fait que ça, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Un autre gros coup de cœur, c'est ce gros gilet-là. Il est tellement confortable. Honnêtement, gang, vous comprenez même pas. Puis, il y a des espèces de croisées attaches comme ça en avant qui sont vraiment gros. Il est... Le téléphone, tu niaises, là? C'est ma mom. Allô? Je suis en train de filmer. Encore une fois, c'est vraiment un morceau qui est super confortable, qui va être pratique pour les soirées, les journées un petit peu plus fraîches cet hiver. Sinon, j'ai pris ce gros casse-gant-là. Là, j'ai pas mis des chandails en dessous, donc je vais rester comme ça. Mais c'est vraiment une grosse knit, là. C'est vraiment des grosses mailles, comme vous pouvez voir. C'est une espèce de beige brun. Puis, encore une fois, il est vraiment oversize. Il est pas trop long. Il y a des poches. Il est vraiment confortable. Il est super doux.
Puis ça aussi, je pense que je vais le porter assez souvent au travail. Donc, le morceau dont vous m'avez posé le plus de questions, la robe que je vous avais montré dans mes mains au magasin. Et puis là, je vais l'avoir sur moi. Fait que c'est une petite slip-on dress qui est vraiment super mignonne. Là, on voit vraiment l'étiquette, c'est peut-être pas chic. Encore une fois, super doux comme matériel. Puis ça vient avec ça. Ça, c'est vraiment à la mode. Je vois ça partout, mais honnêtement, j'ai pas encore compris comment mettre. Vous me direz comment mettre ça, parce que honnêtement, je sais vraiment pas, là. Mais je vois ça partout, puis je trouve ça... Ah, oh, peut-être que c'est comme ça. Non, vraiment pas, c'est pas beau comme ça. Fait que là-dessus, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que c'était vraiment rapide, sûrement pas le plus intéressant non plus. Mais d'habitude, vous aimez quand je vous montre des vêtements, fait que j'espère que vous avez été servis. Et puis sinon, ben, merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye! I'm not...